Unité 4, leçon 2. Les meubles et les décorations de la chambre. Les meubles. Un lit. Une table de chevet. Des étagères. Une chaise. Un bureau. Un tiroir. Une armoire. La décoration, un tableau, des rideaux, une affiche, un range-CD, un réveil, un tapis, une lampe, une corbeille de papier. La décoration. Un tableau, des rideaux, une affiche, un range-CD, un réveil, un tapis, une lampe, une corbeille de papier. Le comparatif. Des adjectifs. On utilise plus, ou moins, ou aussi. On met verbe être plus, moins, au plus, ou aussi, plus adjectif, plus que. Attention, on met l'adjectif avant le nom. Exemple, ma maison est plus grande que ta maison. Regardez ici, voilà, on met verbe être plus que, plus l'adjectif plus que. Une autre fois, on met verbe être plus grande, c'est l'adjectif plus que. Numéro 2, Samir est moins attentif que Sami. Voilà ici, on met verbe être plus moins, plus l'adjectif attentif plus que. Tu es aussi belle que ta sœur. Remarque. L'adjectif prend l'accord du sujet au féminin et au pluriel. Exemple, la maison est moins petite que la chambre. Ici, on met « e ». Pourquoi? Parce que la maison, le sujet, est un mot féminin. Les chiens sont plus intelligents que les chats. Ici, on met le « s » du pluriel. Pourquoi? Parce que les chiens, c'est un mot pluriel. Numéro 2. On ne dit pas plus bon, mais on dit meilleur. Exemple, Jean est meilleur au tennis que Georges. On ne dit pas plus bien, mais on dit mieux. Exemple, je travaille mieux que Nicolas.